C'est un projet que j'ai voulu faire autour de la rencontre. Et pour ça, j'ai invité deux autres danseurs qui sont aussi des chorégraphes, qui sont toujours à la quête de conquérir ou de grandir et d'avancer dans leur domaine. L'envie pour moi aussi de me questionner aujourd'hui où j'en suis en tant que chorégraphe, mais aussi en tant que danseur. J'avais envie de me poser quelque part, de me questionner, m'arrêter, une espèce de suspension dans cette quête de l'infini, toujours, de savoir moi où est-ce que j'en étais. Et pour ça, j'ai invité deux autres chorégraphes pour qu'on puisse aussi se questionner, qu'ils puissent aussi me donner leur retour et puis qu'on se confronte aussi dans la danse. C'est tous ces éléments-là. Là. Mais c'est vrai que j'avais envie de danser sur ce projet-là. J'écris une partition dans le sens où on est tout le temps ou bien souvent ensemble à faire des choses, ensemble, mais on ne prend pas le temps de prendre conscience qu'on est, on est avec quelqu'un d'autre. Et parce qu'on est justement appliqué à faire des tâches. Et ce que je voulais, c'était créer une forme de rencontre. Et pour cela, il a fallu que je pense créer une situation où le corps soit exténué, abandonné, qu'on puisse abandonner physiquement le corps pour qu'on puisse se rencontrer nous et que notre âme, que nos âmes et qu'on puisse seulement se rencontrer à un endroit de la pièce. Et cet endroit-là, je l'ai appelé quelque part au milieu de l'infini parce qu'à la finale, on est toujours dans une quête de plus pour prendre le temps justement de se rencontrer.